Oh, tu sais, là, j'ai envie d'avoir un jouet pour dormir parce que en ce moment, je fais plein de cauchemars et j'ai besoin d'un jouet. Un jouet pour dormir? Mais t'es sérieux ou quoi? T'es pas un enfant! Mais c'est parce qu'en ce moment, je fais plein de cauchemars, tu comprends? Ok, ouais, je vois. Moi, c'est vrai que pendant une période, j'avais fait pas mal de cauchemars, et prendre un petit jouet et dormir avec, ça m'a peu apaisé, et après, j'ai continué à faire des beaux petits rêves, et franchement, en vrai, c'est une bonne idée. Tu sais quoi? Je vais te ramener dans un magasin de jouets. Ah, vraiment, vraiment. Attends, moi j'ai une question pour les abonnés. Est-ce que eux, ils ont besoin d'un jouet pour dormir? Bah, les amis, je vous laisse répondre dans l'espace commentaire. Est-ce que vous dormez avec un jouet ou pas? Allez, tu sais quoi? Je connais un très bon magasin de jouets où ils proposent pas mal de jouets, du coup, et je vais tout de suite t'y emmener là-bas. Vraiment? Ah oui, merci. J'espère que c'est pas la maison à quatre nappes, hein, parce que je l'aime plus, lui. Non, t'inquiète pas, je vais pas te ramener dans la maison à quatre nappes. T'es complètement malade. Ah, ça va. Allez, J'ai peur, j'ai suis-moi. eu peur. C'est parti, les amis. Donc, le magasin de jouets est juste à côté de cette petite montagne. Et c'est ici que j'avais acheté mon jouet il y a plusieurs années. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Chase, le propriétaire. Coucou! Coaches. Ça va, tu vas bien? Ouais, moi ça va très bien et toi? Oui, super. Dis-moi, tu vends encore quelques jouets? Ouais, je continue à en vendre. Parfait. Oh, je vois que tu as une nouvelle collection, des hélicoptères! Oui. Oh, trop bien! Et dis-moi, il a combien? Il a 50 € je crois. 50 euros? Non, mais t'abuses un peu là sur les prix. 50 euros, c'est super cher pour un jouet. Mais non, non, il est vrai comme il est beau. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il est super beau. Bon, ensuite, on a aussi l'ancienne collection, donc la fusée et le petit bateau. Dis-moi, Tengay, il y a quelque chose qui t'intéresse ici? Attends, je vais regarder comment ils sont les jouets. Alors, la fusée, pas ouf. Le bateau, oh, il m'intéresse pas. Oh, l'hélicoptère, c'est incroyable! J'ai toujours rêvé de voir un hélicoptère. Ok, bon bah du coup Chase, on va te choisir un hélicoptère. Attends, je regarde s'il est en stock. Je sais plus si. Je sais pas si il est en stockage. Ok, je te laisse regarder. Ah, mince, il n'y a plus rien. Bon, attendez ici, je vais aller chercher dans la réserve. Dans la réserve? Voilà, dans la réserve passe secrète. J'y vais. Dans la passe secrète? T'as entendu ça? Non, une réserve passe secrète, t'imagines? Attends, viens, 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 on le suit, viens, on le suit. Je crois qu'il part par là-bas. Est-ce que c'est une bonne idée de le suivre? Mais t'imagines, si on arrive à trouver sa base secrète, il a dit que c'était une réserve aussi, donc il y avait plein de jouets à l'intérieur. Ouais, il y a sûrement plein de jouets, mais comme il a dit, c'est une base secrète, on pourrait sûrement retrouver les super pouvoirs de la Pat' Patrouille et leurs costumes. Eh, franchement, j'ai hâte de les voir. Ah, oh, ok, je crois qu'il est là. Ok, cache-toi, 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 cache-toi. Cache-toi, reste caché. What? Il a disparu là? Où est-ce qu'il est passé? Chase? What? Mais attends, mais il s'est téléporté ou quoi? Bah, on dirait, regarde, ça amène à rien ici. Mais c'est trop bizarre! Attends, je crois que je l'ai vu regarder ce mur ou un truc dans le genre. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ce mur. Peut-être. Tu sais, comme dans Harry Potter, la voix 9 3 quarts. 9-3-4. Ah ouais. Oh, ok. Attends, j'essaye. Vas-y, je te laisse Ah! foncer. What? Tengay, t'es où? Je te vois plus, t'es où? Je suis passé à travers le mur comme dans Harry Potter. Ah, ok, bon. Les amis, il va falloir que je cours vers ce mur. J'espère que ça va fonctionner. Allez. Ah! Passage secret! Oh, mais je crois qu'on a trouvé la passe secrète de la Pat' Patrouille! Et en fait, on est trop fort. Heureusement que t'as pensé à Harry Potter. Oui, je sais, je sais. En même temps, c'est parce que je suis beaucoup, beaucoup, mais vraiment fan de Harry Potter. Ah ouais? Ah ouais, moi aussi, je suis trop fan de Ron. Ouais, moi, non, moi, mon personnage préféré, c'est Harry Potter. Ah ok. Bah c'est pas grave, c'est mon meilleur ami. Ok, bon. Passage secret. Ah, mais regarde! Je crois que c'est pas notre taille, c'est plutôt à la taille d'un chien. Peut-être que en rampant, je vais peut-être passer. Attendez. Est-ce qu'en rampant, j'arrive à passer? Non, absolument pas. Bah peut-être que. Essaye de passer, toi. Attends, peut-être en cliquant. Essaye de cliquer, toi. Comment ça, en cliquant, qu'est-ce qui se passe, tu penses? Oh, what? C'est bon. En fait, c'est un petit piège pour savoir, pour connaître. Oh, mais oui, je crois qu'il fallait. Il suffisait juste de cliquer. Et maintenant, on peut partir à l'intérieur. Et. Oh. Coucou, Chase. Attends, mais tu fais quoi ici? Tu m'as suivi, Cheese?
Non, pas du tout. Alors, c'était pas mon idée, c'était l'idée de Tengue Tengue. Non, c'est pas vrai, c'est l'idée à Marcus. C'est Marcus qui nous a envoyé un message, il fait bien notre base secrète. Bon, maintenant que vous m'avez suivi, c'est pas grave. Rentrez avec moi. Vous allez m'aider. Ok, bon, pas tant mieux. On va découvrir la base secrète de la Bat Patrouille. Youhou! Ah, trop bien. Je suis enfermé. Oh. Attends, je t'ouvre. Tiens, Zou. Oh. Ah oui, merci. Ah oui, voilà. C'est vrai qu'on t'avait oublié à l'extérieur. On est désolé. C'est pas grave. Ah, trop bien, regardez. J'ai beaucoup trop de chance, on est dans la passe secrète de la Bat Patrouille. Si vous aussi, vous voulez venir ici, mettre vos pieds à l'intérieur, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est il faut être abonné à la chaîne et il faut avoir liké la vidéo. Donc les amis, faites-le tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Ok, donc comment on peut t'aider, Chase? Il y a plusieurs trucs à faire. Hein. Oui, dis-nous. Bah, il y a remettre les jouets en stock. Remettre les jouets en stock. Ah bah oui, du coup il va falloir mettre... va falloir faire le stockage en haut, faut faire l'inventaire quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah c'est parti. Donc la salle de stockage est juste ici, mais malheureusement il nous faut un code. Donc on va sûrement devoir le trouver, à part si Chase le connaît. Chase, tu connais le code? Ici, je connais pas le code. Ah mince, bon bah je crois qu'il va falloir le découvrir nous-mêmes. Bon, tu sais quoi Tengue Tengue, tu viens avec nous? Ah oui, vas-y, j'arrive. Ok, donc les amis, on va tenter de retrouver le code pour retrouver les jouets. Donc on commence tout de suite par cette première salle. Salle de torture! Mais Chase, vous torturez qui ici? Mais personne. Espèce de menteur! Attends, mais pourquoi il y a du sang et tout partout là? Oh! Attends, il y a des cadavres et tout, mais... Chase! Tu veux dire j'ai torturé qui? Je sais pas, ça doit me dire. C'est ceux qui sont pas abonnés à la chaîne. Oh! Attends, donc tu tortures vraiment des gens? Oui. Oh, what? Bon, les amis, si vous voulez pas que la patte patrouille se transforme en point exé, vous avez entendu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà, je vais pas vous le répéter 1000 fois, 2 fois, ça suffit largement. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que il vous propose quand même un lit en tant que prisonnier, un lit double d'ailleurs, ainsi qu'une petite télé. Bon, c'est pas une télé 4K, mais ça fait quand même l'affaire pour regarder mes petites vidéos. Bon, suite à cela, vous savez, vous explosez quoi, parce qu'il y a des petites dynamites juste là. Ok, bon, du coup le code n'est pas ici j'imagine. Dans les coffres. Hein. Ouais, j'ai fouillé le coffre, il y a absolument rien. Toi t'as trouvé quelque chose? Non, même dans le tiroir ici, il y a rien. Ok, même dans le tiroir, bon, je pense pas que ce soit de ce côté. Viens voir ici, il y a une salle. Je te laisse découvrir. Ouais, vas-y, je vais voir, ça se trouve ici... attends, viens pas, il faut que je fasse un truc. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Oh, what? Ouah. Attends, t'es en train de faire ta grosse commission là devant nous? Y'a rien eu, on s'en va. Mais tu sais que tous mes abonnés, ils t'ont vu là en fait. C'est pas grave, ils ont rien vu, tu leur dis. Si, bah ils ont tout vu et ils vont se moquer de toi, là, l'air, ah t'as fait un gros caca. Ouais. Attends, peut-être qu'il faut regarder une autre salle. Hein. Ouais, on va tenter de regarder dans une autre salle. Qu'est-ce que nous... Chase, qu'est-ce que nous avons derrière cette porte? Ici, c'est ma salle de bain, donc viens voir. Regarde. Oui. Hop, là, je peux me laver les mains. D'accord. Et là, je peux prendre ma douche. Hop, voilà. Ok, ouais, mais ça nous dit pas où est-ce qu'il est le code. Puisque là, je vois qu'il y a absolument rien, il y a pas du tout de tiroir. Mais où est-ce que t'as pu mettre le code, Chase? Mais je sais pas, c'est pas moi qui mets les codes. Ah! Oh! Attendez, juste derrière, il y a marqué salle top secrète. Tu peux t'écarter? Ah oui. Oui, écarte-toi, hop. Bon, on va tout de suite passer Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est secret ici. Ben, tu sais pas lire. Ici, il y a marqué salle top secret. Mais ça se trouve, le code, il est à l'intérieur. Non. Bon, tu sais quoi? Tengue Tengue, fais genre de parler à Chase et moi je fonce à l'intérieur. Vas-y. Chase, viens voir, j'ai trouvé un truc, viens voir. Où ça? Là, viens voir. Regarde, j'en suis sûr que toi, t'as les crampes. Ok, parfait. Les amis, ça me laisse le temps de rentrer à l'intérieur. Ok, me voilà dans la salle super secrète. Je sais pas. Il est rentré. Je crois qu'ils sont juste derrière moi, ils sont en train de me suivre. Qui t'a dit d'entrer?
Bah, en fait, je voulais savoir s'il y avait le code qui était ici. Oui. Je t'ai dit de pas rentrer en plus. Marcus. Qui me parle? Mais tu les as laissés entrer? Mais ils sont entrés de force. Mais t'aurais dû les défoncer, je sais pas, leur mettre un petit coup de poing. Vous avez rien à faire ici. Comment ça, un coup de poing? Mais t'es complètement malade ou quoi? Vous êtes la patte patrouille, vous êtes censé être gentil. Eh bah, tu sais quoi, tu vas me servir pour mon expérience, pour la peine. Allez, viens. Pour ton expérience? Attends, tu me fais peur, t'es un scientifique ou quoi? Non, t'inquiète, c'est une expérience pas trop dangereuse qui essaie de transformer les blaireaux avec les humains, j'essaie de les fusionner, tout ça. Comment ça, les blaireaux, tu parles de qui? De toi, Ah bah non, merde, c'est vrai, t'es un humain. Allez, fonce. Ok, bon, bah, je dois y aller où, là, exactement? Eh bah, tu vas dans cette charmante petite salle et t'inquiète pas, ce sera pas douloureux, j'en ai pas pour longtemps. Ok, ça marche. Ah, oh, je vous vois, coucou, les amis. Allez, hop. Mais t'es sérieux, Marcus? Ouais, ouais. Oh, comment je fais pour sortir, là, les amis? Attendez. What? Attendez, il y avait pas ça tout à l'heure. Eh, les amis... Oh, regardez! Il y a un coffre juste ici. Et il y a un livre. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? 54,93. Ah, voilà. Ah, je suis de retour. Mais oui, l'expérience ouais. N'est pas finie, donc re-rentre. Oui, mais juste avant de faire ton expérience, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Moi, je m'en fous, re-rentre. Ok, bon, bah, ils veulent même pas m'entendre. Ok, oui, c'est parti, on va le transformer en blaireau maintenant. Comment ça, ils veulent me transformer en blaireau? Ils sont complètement malades. Alors, j'ai crié, hop, voilà la seringue. Je sors d'ici. Allez, viens là. Non, ah, laisse-moi tranquille. Non, pas la piqûre aux fesses, non. Je vais piquer, viens là. Non, allez, ce sera pas douloureux, promis. Non, pas la piqûre aux fesses, laisse-moi tranquille. Aïe, non. Hop, piquer. Aïe, oui. Piqué. Non, c'est bon, laisse-moi partir. Tu restes là. Bah, pousse-toi de là, poussez-vous de là, ok. Ouais, et hop. Non, hé, tu reviens, hein. Il est complètement malade. Ok, non, laisse-moi tranquille. La piqûre. Laisse-moi tranquille, bon, attendez, je vais me cacher ici. Hop, je me cache. Marcus, viens voir, Marcus. J'ai des chèvres dans ma cave. J'ai des chèvres, viens voir. Tu veux que je te transforme, toi aussi? Non, viens voir, j'ai des chèvres, viens voir. Dans les toilettes. Ouais. Il est complètement malade, ce Marcus, hein. Ok, là. Bon. Maintenant que j'ai le code, je vais pouvoir ouvrir la salle de stockage. 54,93, si je me trompe pas. Et voici tous les jouets. Oh lolo. Ok, parfait. Bon, on en a vraiment pas mal. Par contre, ok, bon, je vois pas du tout d'hélicoptère ou de bateau. Bon, tant pis. De toute façon, on prendra le modèle expo. Allez. Ok, où est-ce qu'il est, Tengue? Tengue! Eh, tiens, tu ramèneras ton pote, s'il te plaît, qu'il revienne pas. Tiens. Mais... Attends. Tu parles de qui, là? Ah, mince, j'ai sorti. Ah, tu... Je suis là. Tu m'as fait peur, hein. C'est pas drôle là tes vieilles blagues. Ouais, bah allez, hop, bouge pas. Bon, allez, je te fais juste un petit câlin, Non, viens, on sort d'ici. Allez. Mais attends, non, reviens là. Vite, fuis-toi. Allez, on se barre d'ici. Il est complètement cinglé ce mec. Ok. Il est fou. Oui, bon. Les amis, on va tout de suite mettre du coup. Hop, allez, c'est parti, je mets tout ça dans le coffre. Parfait. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Sans déconner. Bon, allez, maintenant tu vas me suivre, t'as plus le choix. Mais c'est Chase qui m'a demandé de faire l'inventaire. Hein? Tu vas me suivre. Ok, on va te suivre. Bon, tu viens... Je passe devant. Oui, ok, c'est bon, tu peux nous faire confiance. Allez. Ouais. Tengue, tu nous suis? J'arrive. Et j'ai pas envie d'être seul avec ce malade mental, là. Hop, allez, je descends. Ok, nous voilà de retour dans la base ultra secret de la allez, patrouille. Toi, tu vas ici. Où ça? Allez, dans la cellule. Bouge. Dans la cellule, ok, ça marche. Et moi, je fais quoi? Bah, toi, tu vas aller dans la cellule de gauche. Non! Non, moi, je veux que Tengue, il reste avec moi! Boucle-la, toi. Oh non, on est dans des cellules séparées. Attends, mais. Comment ça, dans des cellules? Attends, on est prisonniers ou quoi? Eh oui. Oh, what? On est les prisonniers de la patrouille! Mais seringue? Non, t'auras pas tes seringues. Mon fiche, il y en a d'autres dans un autre coffre, c'est pas mon problème. Mince. Bon, juste petite question. Tu vois, t'étais dans un espèce de laboratoire. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce que tu faisais là-bas, en fait? Bah, c'est là qu'on crée nos pouvoirs et nos costumes. Vos super pouvoirs? Oh, hey, est-ce que ça te dit que tu me donnes un super pouvoir? Bah non. Allez, s'il te plaît! Non, mais de toute façon, je fais aussi mes expériences de transformer les humains avec les blaireaux.
Et tu veux faire quoi? Les transformer en chiens qui parlent? Non, ça c'était le projet d'avant. Mais en fait, maintenant je fais aussi des hommes serpents. Donc, Tenge Tenge, ça va être un homme poulet. Et toi, ça va être un homme poisson, je pense. Donc tu transformes les humains en animaux, quoi? Oui, voilà, à moitié. Ah, les amis, je crois que ce Marcus, il est complètement cinglé. Pour faire des TikTok après, parce que c'est stylé, tout ça, tu vois. Et bref, alors, depuis tout à l'heure, j'ai la voix bizarre, attends, je vais prendre un petit Doliprane. Ouais, voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors, du coup, je disais, oui, c'est pour te transformer en homme poisson, et lui en homme poulet, ou en homme vache, ou en homme, je sais pas quoi, je verrai bien, puisqu'on n'a pas beaucoup de stock en ce moment. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, tu vois, les serins que je t'ai passées là, ça t'a déjà piqué, si tu peux regarder, en fait, c'est pour ton sang. C'est pour mon sang? Attends, t'es en train de me dire que je vais me transformer là? Bah regarde dans la seringue, tu vois bien qu'il y a ton sang. Oh non 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 non, les amis, j'ai pas du tout envie de me transformer en animal. Bon, allez, je vais chercher le produit, je reviens. Hein. Bon, il va falloir vite qu'on sorte d'ici. Hé, hey, Tenge Tenge! Ouais? Est-ce que t'as un moyen de sortir de ton côté, toi? Non, pourquoi toi t'en as? Je sais pas, je vais chercher, mais toi aussi cherche de ton côté. Il nous reste une ou deux minutes avant qu'ils reviennent. Faut vite qu'on cherche et qu'on se barre d'ici, ok? Ok, ok, vas-y. Je cherche de mon côté, cherche de ton côté. Allez, c'est parti, je vais essayer de chercher de mon côté. Donc là, on a un coffre avec un journal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Jour 1, on a capturé et forcé à rester ici. Jour 2, on m'a fait manger des médicaments et faire manger des... Et faire boire des trucs bizarres. Pendant une semaine, jour 3, j'ai vu un ancien prisonnier se transformer en jouet. Jour 9, j'ai creusé une sortie de secours dans un angle... Dans un anglace, je sais pas ce que c'est. Caché pour m'enfuir avant de me faire transformer. Jour 10, c'est aujourd'hui que je m'échappe. Je ne sais pas comment j'aurais réussi. Je crois qu'il y avait déjà des prisonniers auparavant, les amis. J'ai un petit coca pour toi. Pour que tu te sentes hydraté, quand même. C'est l'important pour les prisonniers comme toi. D'accord, merci, mais je l'ai pas reçu. Ah. Mais normal, c'est moi qui l'ai reçu. Ah, eh ben, attends, c'est pas grave. Je t'ordonne un coca. Ok, alors, bon, j'espère que c'est un vrai bon coca frais chacal. Ah bah oui, il est bien frais chacal, c'est le cas de le dire, oui. Il est bien frais, comme ta sœur. Oula, oui. Bizarre. Ok, bon bah, ok, c'est bon, je l'ai reçu. Allez, est-ce qu'il y a moyen que tu nous laisses deux petites minutes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Parfait. Bois bien. Bon, Tenge Tenge. Ouais. Alors, t'as trouvé quelque chose? Non, moi j'ai eu un livre qui me disait que son prisonnier, c'était qu'il a réussi à s'évader avec un passage secret. Attends, je vais essayer de voir si moi j'ai un passage secret. Oh, okay. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Regarde de ton côté, tu dois sûrement aussi avoir un passage secret. Vas-y. Ah oui, moi aussi, j'en ai un. Parfait, allez, on passe dedans et on sort d'ici. Allez, on se taille. Ok. Alors, mon petit cheese. Oh, je crois que... Oh, ça t'a ramené ici, Tenge Tenge. Ouais, ça m'a ramené là, t'es où toi? Ah, t'es là. Vas-y, suis moi et on se taille. Eh, hey, vous faites quoi là? Avant que Marcus y trouve. Non. Okay. Vous revenez là. Pousse. Viens, derrière nous. Enfuis-toi. Vas-y, cours, le malade mental est juste derrière nous. Vite, c'est un scientifique fou. Oui, c'est un scientifique complètement taré. Tenge Tenge, potion de lenteur. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent sur votre écran, et on se dit à la prochaine.